Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, 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 bien. Moi, écoutez, ça va nickel. Ça fait un moment, ça fait un moment. Il fallait que ça sorte alors que c'est. Vous n'avez pas eu en fait de vidéos sur Disney. Enfin, peut-être pour vous, ça fait pas super longtemps parce qu'au final, j'essaie de bien gérer, bien caler mes vidéos sur YouTube. Mais en vrai, déjà, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de live sur Disney. Et là, franchement, je m'en veux à moi-même. Et mais tant pis pour ceux qui Il était une live. fois Ta un gueule, loup. s'il te plaît. Tant pis pour ceux qui live parce que. Enfin, ceux qui sont sur le live. Malheureusement, je suis obligé de faire une vidéo encore une fois off. Du coup, la dernière fois, je l'avais fait avec parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Aujourd'hui, bah tant pis pour eux, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je vous propose du contenu sur Disney. J'ai grave envie d'y jouer. Et le problème, c'est que je m'empêche de jouer, d'avancer dans mes quêtes, etc. Parce que bah, je veux vous finir des vidéos sur ça. Je veux que vous voyez mon let's play, mon avancée, etc. Donc, du coup, bah, je fais juste mon truc quotidien. Et qu'est-ce que c'est le quotidien? Bah, regardez, il y a des nouveautés, ça fait grave plaisir. Déjà, pour ceux qui ont l'œil, vous verrez que on n'est pas au bon endroit. Bon, j'ai changé de quelques mètres, mais peut-être certains d'entre vous, là, regardez. Wouhou! Eh ouais. Oh, j'ai craqué. Bon, en vrai, c'est pas. Je pense que c'est un truc temporaire. Je vais faire certainement un truc mieux plus tard. Mais c'est que à défaut d'avoir d'autres légumes, etc. Moi, ce que je. Bah, comme la dernière fois, en fait, comme la dernière vidéo. Mais ce qui me rapporte le plus, clairement, c'est les carottes. Je suis clairement au début du jeu. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. On avance doucement et ça m'embête un peu. Donc, je pense qu'on va focus un peu Disney ces temps-ci. Et pour vous, il n'y aura pas forcément de changement. Peut-être aller plus de vidéos, peut-être. Peut-être une. Parce que là, normalement, j'essaie de mettre une vidéo de Disney chaque semaine sur la chaîne. Peut-être deux. On verra. On verra. Je sais pas. Je veux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, de sûr, le Disney, c'est du sûr. C'est je surkiffe le jeu. J'ai juste besoin d'avancer. Et du coup, bah, pour avancer, il faut que je vous offre du contenu. Parce que si j'attends de le faire sur Twitch, vu que sur Twitch, je suis pris, je fais. Je live beaucoup. Je live sur plein de trucs différents, etc. J'ai pas forcément le temps, mais clairement Disney faut qu'il rentre, qu'il soit plus présent sur mes lives. Donc n'hésitez pas surtout à rejoindre dans la description Twitch, etc. Si vous voulez voir du Disney ou même d'autres jeux que je propose en live, n'hésitez pas, ou même juste pour apporter de la force, il faut le faire. Il faut le faire. Du coup, on va récupérer toutes ces carottes. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je sais pas en fait, enfin, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas si on va pouvoir le faire dans cette vidéo. En fait, je vous explique. Malgré le fait que j'avance pas dans mes quêtes, etc., parce que bah, forcément je le fais avec vous, il faut quand même que moi je puisse bah, faire des sous, etc., les chips, etc. Mais c'est qu'en fait c'est galère. C'est pour ça que j'ai fait tous ces plans là. C'est pour ça que j'ai fait tous ces trucs de carottes, etc. Parce que moi je veux faire des thunes en fait. Et bon, je sais pas si je me suis bien renseigné, mais disons que si j'ai bien compris, les citrouilles. Ça rapporterait masse, enfin du moins ça rapporterait, c'est genre le légume qui rapporte le plus. Et la question, c'est de savoir est-ce que tout simplement ça vaut le coup ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse carrément à ça. Est-ce que les légumes, est-ce que la citrouille c'est le mieux? Donc là, j'ai fait quoi? Je me suis renseigné. Donc ça va peut-être un petit peu un spoil, mais au final pour moi, hein, pas pour vous, parce que je pense que vous êtes tous plus loin que moi. À part si vous me regardez juste parce que vous kiffez le jeu et que vous jouez pas au jeu, enfin j'en sais rien, mais disons que. Vous voyez? Ça, je comprends pas. On a encore la musique, mais le coffre. Enfin, ils ont disparu avant que la musique s'arrête. Je dois faire une erreur quand je les ramasse, comme ça. Et en fait, bah, le but, j'ai regardé, c'est que les citrouilles, en fait, ça se passe aux terres désolées. Donc, si j'ai bien compris. Donc, en gros, je vais vous montrer. Donc, en gros, moi, je veux des citrouilles. Je veux faire de l'oseille. Et l'oseille, en gros, ça serait ici. Donc ici, visiblement, il y aura un truc qui ferait que je chope des citrouilles, ou du moins des graines de citrouilles. Mais du coup, pour aller ici, il faut que je débloque ça. Sachant que la dernière vidéo, bah, j'ai débloqué ici, j'ai rien fait. Là-bas, j'ai rien fait, j'ai juste mis la maison de Vaiana ici parce que j'avais plus de place là où j'étais. C'est dommage parce que je voulais Vaiana à côté de moi, mais le truc c'est que Maui, il veut être obligatoirement posé sur une plage apparemment. Donc j'ai pas essayé de le bouger par contre. Peut-être qu'on peut. Mais du coup, je me suis autant que mettre Vaiana à côté. Je vais vous montrer ça de toute façon tout de suite. Mais le but là, ça serait faire ouais. Du coup, elle est là. Donc, plateau ensoleillé, ça ressemble à un truc au Roi Lion. Terre oubliée, je pense que ça va être un truc assez maléfique, tu vois. Je sais pas à quoi, mais on verra. Mais du coup, apparemment, les citrouilles sont là-bas. Alors, est-ce que je peux tout débloquer d'un coup? Parce que là, oui, la Dreamlight, j'en ai. J'ai 10 252 Dreamlight. À la force de jouer et de rien acheter, bah forcément, j'en ai. Alors, après, peut-être que pour certains, vous allez me dire que c'est que dalle. Mais je trouve que c'est pas mal pour le peu de fois que je joue, en fait. Sachant que moi, vraiment, le jeu, je l'allume. Je fais mes plans de légumes. Et je vais voir ce que Picsou a. Voilà. Clairement. C'est ça un peu. Donc là, je vais pas replanter. Hein, parce que si je peux mettre des légumes dès cette vidéo, enfin des citrouilles dès cette vidéo, je le fais quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi vous dans les commentaires où vous en êtes et n'hésitez pas à rejoindre le Discord.
qui est aussi dans la description si vous, bah, si vous pouvez, si vous avez envie de me partager peut-être des photos ou quoi de votre aventure là où vous en êtes. Merde, 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 merde. Chaque fois je me fais niquer. Tant pis. Mais ouais. Parce que je suis curieux en fait. Parce que là, véritablement, je connais personne qui joue au jeu, moi. Donc je serais très curieux de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Franchement, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresserait de fou. Et du coup, bah voilà, j'espère que ça sera le cas, peut-être avec de la chance. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et vous inquiétez pas, vous serez super bien accueillis. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Okay. Finish des courses. J'ai peut-être pas la rêve. J'ai pas la rêve de ça. J'ai pas la rêve de ça. Suis-je trop vieux ou trop jeune? Je sais pas. Mais du coup, voilà, vous avez un peu le. Là, ce que je vais focus clairement, c'est la citrouille. Voilà, c'est citrouille, 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 citrouille. Je veux les citrouilles. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas s'il faut faire des quêtes, enfin, ou quoi pour aller jusqu'à là-bas. S'il faut les faire, on va les faire. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Donc, disons que si je débloque les citrouilles dans cette vidéo, je serai l'homme le plus heureux du monde. Si je ne les débloque pas, je vais péter un plomb. Voilà, je rigole. Ton inventaire est plein. Ouh, ça c'est bon, attendez. Ça veut dire que j'ai quand même pas mal de carottes. Parce que oui, je crois que la dernière fois je les ai ramassées, mais je les ai pas vendues. Donc, il y a moyen de se faire un bon petit billet. Oui, donc là, ouf. La maison, j'ai changé un peu. Voilà, c'est 2-3 trucs que j'ai acheté. J'ai acheté le canapé, j'ai acheté la table là-bas, une assiette. Bon, il en faudrait d'autres. J'ai acheté un meuble bleu parce que j'avais déjà un petit meuble bleu en haut. Bon, j'aime pas trop le. Ça fait un peu vieux, quoi, le four et tout, mais voilà, le thermostat. Enfin, le thermostat. Le blender, là, l'espèce de blender. Et un petit sac de noix de coco. Là-bas, je l'avais pris pour Vaiana. Mais vas-y, je l'ai mis ici. Et là, dans la pièce, je peux vous montrer, hein, mais comme ça, vous savez quand même où ça avance, mais voilà, ça avance pas. Clairement, voilà, je vous ai fait perdre 3 secondes de votre vie. Les coffres, pour l'instant, je les mets là parce que j'ai pas d'autre solution. On va transférer. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a dans le coffre depuis la dernière fois. Voilà, les gemmes, bah, je vais remarquer. En fait, je les garde les gemmes. Non, la vérité, je vais les garder. Parce que je me demande s'il n'y a pas une autre utilité que de les vendre. Et maintenant, oui, je récupère tout. C'est pour ça que j'ai des fleurs sur moi. Et je récupère absolument tout. Ok, ça c'est quoi ça? Ça c'est du sable, je crois. Ouais, c'est du sable. Ok, le sable, je le garde. Je récupère tout maintenant. C'est bon, je me fais plus avoir. Vu que la dernière fois, je l'avais vendu l'origan, j'avais galéré à avoir ce qu'il fallait. Des bananes, on va les transférer. Carotte, carotte, carotte. Le maïs que je le garde ou je sais pas ce que je fais. Bon, je vais le garder ça. Tout le reste, on va le vendre. On va juste garder des pommes pour bouffer. Là, on transfère les plantes. Tac, tac, tac. Ça, on va le garder. Ça, est-ce que je le. Je pense que ça va partir à la vente, ça aussi. On va déposer ça. Donc là, clairement, tout le reste, je le vends, mis à part ça, là. Je garde toujours un stack de framboises et un sac de pommes. En vrai, je pourrais faire 2 sacs de pommes, mais je me dis, c'est. Je sais pas. Mon personnage, il a besoin de manger autre chose. Je suis habillé comme la dernière fois, mais je pense que la prochaine fois que vous nous verrez, je serai plus habillé pareil. J'ai envie de changement aussi sur ça. On va juste ouvrir ça. On va voir si on a un peu de chance avec vous. Un truc sympa. Évier simple noir avec dessus. Alors, c'est pas ouf, mais je crois que j'ai un truc qui ressemble à ça. Du coup, peut-être que ça pourra aller ensemble. On verra ça plus tard. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, vous l'aurez compris, c'est de se barrer aux terres désolées. Regarde, j'ai récupéré plein de belles choses. Alors, ça me dérange pas qu'il y ait des quêtes pour aller jusqu'à là-bas. J'espère juste que j'aurai le temps de les faire. En fait. Mais après, je comprendrai qu'il faut des quêtes pour débloquer. Pour débloquer d'autres endroits, hein. Faut que ça soit. Enfin, je sais pas, honnêtement, je sais rien si. Je sais pas si on va me le demander. Parce que si on me le demande pas, ça veut dire qu'en gros, j'utilise mes Dreamlight et j'ouvre tous les portails, quoi. Enfin, j'enlève toutes les résines, quoi. Les racines, pardon. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi penser. Vraiment, là, c'est de la découverte pour moi. Je me suis juste renseigné sur, voilà, qu'est-ce que je peux faire de l'argent, comment en faire plus avec en jouant quotidiennement, sachant que j'ai pas avancé dans le jeu. Et j'ai vu que les citrouilles, ça revenait. Donc là, on va les vendre, on va les se vider. Merde, j'ai oublié un arbre. Non, il est là-bas. Donc voilà, ici. Donc là, j'ai fait mes champs. Donc, pardon. Là, la maison dingo, je l'ai remontée. Je pensais pouvoir remonter son stand, mais en fait, le stand, il est attribué à chaque endroit. Donc il est resté en bas, mais je l'ai mis près des marches, vous le voyez d'ici là. Donc il y a la maison dingo ici, la maison de Mickey et la mienne. Mais en vrai, il y a moyen que la mienne, elle dégage et que je mette la maison de Merlin. Et que je refoute la maison de dingo aussi en bas, mais juste du coup, à côté de son truc de marchand là. Et là, j'ai tout rassemblé ici, mais je sais plus si je l'avais montré ça dans l'ancienne vidéo, donc je vous le remonte, hein, ça coûte rien, voilà. De toute façon, vous me voyez ramasser, hein, vous êtes pas plus bête que d'autres, hein. Mais là, du coup, ouais, je ramasse rien qui est au sol, parce que sinon, je vais encore perdre du temps. Et là, franchement, je suis en mode focus, en mode, faut que je me dépêche, quoi. Donc, je récupère ça. Hop. Normalement, je ramasse tout ce que je vois, les fleurs, les trucs et tout, et là, je ramasse ça. Bon, là, je suis obligé d'enlever, je crois.
Ah, on va le faire, c'est de l'argent. On crache pas sur l'argent. Si c'est pas nous qui le ramassons, c'est Picsou qui va le faire. Et vous voyez là, ça va marcher, ça va me donner le coffre. Mais quand c'est des légumes qui s'éparpillent ou des pommes, etc., à chaque fois il y a un. Enfin, je sais pas ce qui... pourquoi. Si vous savez pourquoi, il faudrait me l'expliquer. Merde, pourquoi je suis là? Bon, au moins je vois ce qu'il y a. Ok, il y a un piano, je crois qu'il coûte 16... ouais, 16 000. Il y a un évier, bon, on en a déjà un du coup. Une petite veste de costard. Un petit pull. Non, j'ai pas de temps pour toi, Picsou. Ça, par contre, c'est beau gosse de ouf. Oh, ça coûte que 1000. Ouh, bah vas-y, on le prend. Ça coûte que 1000. Mickey et ses amis. Go, let's go, je kiffe. C'est pas un truc commun. Moi, je prends. Imagine, il y avait écrit 10 000 et j'ai pas fait attention. Je suis vraiment un con. Oh, putain, un grippin. Oh, bah, alors, pourquoi je suis venu là, moi? Ah, c'est toujours pareil, hein. Pixel, il me donne toujours des envies. C'est quoi ça? C'est une poubelle avec. Non, mais c'est sale. C'est quoi? Juste pour curiosité, comment ça s'appelle? Ah, c'est une poubelle rouillée, ok. Ouais, bah, on dirait pas de la rouille, on dirait plutôt un caca qui est posé dessus. Je te remercie. Ça, c'est pas beau, j'aime pas. C'est trop. Ok, un canapé gris. On a un lit là-bas, mon lit coquillage, c'est pas du tout ma cam. Par contre, le petit. Ah, c'est un. Une baignoire en bouleau. La reine des neiges, putain, j'aurais kiffé. En vrai, on n'aurait jamais su que c'était la reine des neiges. Peut-être si, il y a peut-être un logo sur le côté. Même pas. Ça, je le montre à n'importe qui, personne me dit que c'est la reine des neiges. Donc, vas-y, ça va pas. Parce qu'en fait, oui, pour ceux qui ne savent pas, je veux me faire une sale reine des neiges, en fait. Allez, let's go, on va vendre. Salut, Maui. Ça va, mon pote? On va vendre. Vous voyez, du coup, je l'ai mis ici. Salut, mon ami. Et là, on va vendre. Alors, c'est parti. J'en ai combien? 50. Par ici. 100. Ah. 200 avec les 4. On a 250, 300, 350, 400. On est à... On va garder une carotte si jamais on croise un pain. Donc ça fait 443. 443, ça me fait 19K. Moi, je suis content, hein, mais apparemment, c'est pas ouf, quoi. Ah, bon, vas-y, on va vendre ça en même temps. Les pommes, là, putain, on les dégage. On va garder nos graines. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir les citrouilles. 20K. Voilà. Ok. 20K pour en gros 400 et quelques, ça m'a fait, c'est, je crois, 2 ou 3 ramassages de carottes par rapport à tout ce que j'ai mis. On a vu qu'il y avait un autre truc, je l'ai pas vu, je l'ai pas fait. Vas-y, ouvre-toi. Elle a un peu de chance. Âtre des cheminées en briques, ça c'est sympa. Par contre, je crois que les 4 c'est des trucs de Mickey, ça me ferait un peu chier par contre, parce que Mickey, les tenues encore ça va, mais dans la maison je veux pas de Mickey en fait. Ça, on va, vu qu'on le garde, on le met là. Si on croise un lapin, on garde ça. Et let's go! Bon allez, on va découvrir ça ensemble. En plus, il y a un peu de brouillard, peut-être c'est l'appel. L'appel du jeu qui me dit c'est bon, ça peut marcher. Donc c'est par là, si je me trompe pas. Ouais, c'est par là. Je vous le dis, si je peux ouvrir, je visite même pas la savane. Hein. Je vais direct d'abord au tard, désolé, pour planter mes citrouilles. Je vous le dis, cache. Alors... Ah, j'aurais pas assez. Si ici, si, ça coûte 7000, obligé là-bas, ça coûte plus cher. Mais non. Putain, non. Est-ce que je peux? Bonjour. Je sais que tu n'as pas encore atteint le plateau ensoleillé, je te le dis, c'est à voir. Bien sûr, tu devras retirer ces épines nocturnes pour dégager le chemin. Allons sur le plateau ensoleillé, utilisez 7000. Bien joué, petit loup. Tu as dégagé le passage vers le plateau ensoleillé. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Donc on peut dégager quand on veut. Certains villageois scolaires commencent à s'inquiéter, tu vois, nos souvenirs deviennent flous, nous avons peur que l'oubli recommence. Oh, quelle pagaille magique. Une sorte d'entité ténébreuse est à la course. Elle a maudit une grotte. Ah, donc c'est une entité ténébreuse qui provoque toutes ces malédictions. Si nous voulons empêcher que l'oubli ne se reproduise, nous devons comprendre la situation dans son ensemble. Le quoi, le qui, le comment. Ah, ben oui, mais c'est le truc qui. Sur la plage. Sur la plage, il y avait eu un truc dans une grotte. Et ben, on s'est arrêté sur ça d'ailleurs. Je l'avais pas fait. Je ne laisserai jamais cela se reproduire. Je sais que non. Et c'est exactement le genre de conviction dont nous avons besoin. Parce que parfois, il faut faire confiance à ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Hein. Lorsque la vallée a sombré dans le chaos, la sorcière des mers a fui dans une grotte près de la mer. Oui, voilà, c'est ça que je dois faire. Elle doit être dans la selle. C'est la sorcière de Ariel, je crois. Dans celle que tu as vue au nord de la plage. Inspecte cette grotte et trouve-la. S'il y a des choses que je sais sur Ursula, voilà. C'est qu'elle détient toujours des secrets, qu'elle est prête à monnayer pour conclure un marché. Merci. Voilà, donc on est. Bah là, c'est la découverte de la savane, quoi. Ok, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon, là c'est le puits, il faudra le débloquer.
Juste, je regarde du coup. Ok. Le lapin, je sais pas pourquoi il me suit. Il y a toujours un lapin qui me suit. Donc là, c'est. Ah, c'est un stand de légumes à. Ah, ok, c'est un stand de légumes à. Pourquoi je peux pas traverser? Où c'est que je peux. Ah, c'est là-haut, non? Je pense que ça doit être ça. Non, je sais pas. Ou ici. Soit ici, soit ici. On va aller voir. Parce que là, je peux pas traverser, hein. Non, je peux rien faire. On va aller voir si je peux aller là-bas. Oh, bah ça fait vachement penser à Scar. Scar qui arrive bientôt d'ailleurs. Oh! L'oiseau, je peux lui donner un truc. Peut-être qu'il aime les framboises. Non, il aime pas. Non, il a pas l'air d'aimer. Ok, il a pas kiffé. Ça, c'est un arbre chelou. Oh, il y a une lettre. Un souvenir, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? La solitude tranchante, elle me traverse comme du verre sur un doigt, mais c'est encore plus horrible que du verre cassé. Parce que je ne peux pas la voir ou l'éviter. Okay. Est-ce que c'est par là qu'on peut passer? Là, il y a un truc. Ah, il y a un coffre là fermé. Ouais, ok, c'est par là. Voir combien ça va être. 15 000! Oh! Bonjour. Je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le retirer. 15 000 pour. Oh bah écoutez les amis, ça sera pas dans cette vidéo, hein, je vous le dis clairement. Je pense que même si je rush, ça sera pas dans cette vidéo. Ah putain! J'étais tellement content de pouvoir aller focus ça. Bon bah du coup on va devoir focus. Ok, c'est pour faire à manger. On va devoir focus. C'est un peu glauque ici. Hein. On va devoir focus quand même. Du coup, bah, les quêtes, voilà. Bah écoutez, bah, aujourd'hui vous aurez le droit à des quêtes. La suite de notre aventure, la vraie aventure à la base. C'est juste que moi là j'avais envie de rush, hein, mais. Je pense que on peut débloquer ça en vrai. Ça, on peut débloquer ça. Je sais pas combien ça a coûté. Bonne journée à toi. Si tu aides à installer le stand dans cette partie de la vallée, ça t'évitera de faire des kilomètres et tu pourras faire plus de bonnes affaires sur davantage de produits. Installer le stand. 3 000, ok. Incroyable, regarde ce que tu. Et ça aussi, faut que je l'améliore ou ça me le met direct à fond parce que j'ai déjà mis celui à fond en bas. Non, c'est pas à fond du tout. Ok. T'as une minute à m'accorder? Alors, je pense que je vais le monter. Bonne journée à toi. 7 500 vues, let's go. Je sais pas. Ok, ça vend des fruits. Est-ce que je l'améliore à fond ou pas en fait? Je sais pas trop. Bonjour. 15 000! Je le fais, hein. Il y avait rien d'intéressant aujourd'hui au magasin, c'est pas grave. Hein. Ok, donc là il est à fond normalement. Ouais, il n'y a plus le truc. Okay. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut acheter qui serait peut-être intéressant? Vas-y, dingo. Ça coûte 42. Ça, c'est quoi ça? Des graines de soja. Une graine de cocon. De coton. Ah là 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 là. Je sais pas, je sais pas. Je vais devoir aller sur internet. Je vais regarder sur internet. Vous savez quoi? J'ai pas vraiment la réponse. J'ai pas vraiment la réponse que je souhaitais. Soit parce que j'ai mal cherché, soit parce que j'ai la flemme de chercher. Visiblement, le piment, ça rapporte, mais je sais pas ce que ça fait ça et ça en fait. Je sais pas si ça se vend, je sais pas ce qu'on peut en faire. Et en fait, je suis curieux de savoir ce qu'on peut en faire. Et sachant que ça coûte, c'est le truc qui coûte quand même le plus cher. Donc je pense qu'on va se prendre. De quoi faire en fait? Avec 2 stacks, déjà, je peux remplir toutes mes parcelles de piment. Donc, on sait déjà en termes de thunes, j'ai le truc qu'il faut. Mais je suis curieux de prendre ça, en fait. Je vais peut-être pas en prendre autant. Je vais peut-être juste en prendre genre 20. Pour voir ce que je peux faire avec. Parce que vraiment, je peux faire du coton, tout simplement, du tissu. Mais est-ce que je peux en faire quelque chose d'autre? Et là, je vais en prendre 20 aussi. Et on va voir, tout simplement. On va voir ce que ça rapporte. Ah, il y a le concombre aussi. La courgette? La courgette qui est à 30? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas regardé.
Je me rends pas compte, je me rends pas vraiment compte, donc on va prendre la courgette aussi, parce que remarque, la courgette, elle est plus chère. Ah, je vais faire un truc de stack pour elle. 78, il le revend. Parce que sûrement, la courgette se vend peut-être sûrement plus cher que le piment. Mais il doit avoir d'autres peut-être plus longues, je sais pas. Vas-y. Il y a une mouche, elle veut être ma copine, mais j'ai pas envie d'être ce copain. La savane, du coup. Est-ce qu'on visite ou pas? Je pense qu'on va pas visiter, on va vraiment focus. Ah bah oui, il est venu ici. Ok. Je pensais pas que je verrais mes potes venir ici en fait. Ah oui, bah du coup, par contre, il y a des trucs sympas. Champignons encore bizarres là. Bah du coup, on va récupérer hein, ce qu'on trouve hein, sur notre route. Il y a un autre style de bois d'ailleurs là. Un tas de bois brûlé. Ok. Ça, j'ai même pas regardé ce que c'était. On va regarder après. Hop. Ah bah combien il faudrait payer pour ça? Ah maintenant on paye quoi, carrément. Je crois que la dernière fois aussi il fallait que je paye, remarque. 7500? Ah, j'ai même pas les sous. Ça c'est bête parce que je... Ouais, les sous ça peut servir. Mais après moi j'aime bien marcher parce que comme ça je récupère tout ce que je trouve. Oui, hop. Oh, il faut avancer. Bah du coup on va faire nos quêtes, on va avancer dans le jeu, on va juste planter. On va planter déjà nos vins. C'est marrant, je danse grâce à une mouche. C'est incroyable. Alors bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais planter. Non. On va planter ça. On va planter les vins. Hop. On va voir ce que ça va faire. Mais un peu de nerf, s'il te plaît, là. Il est long, là, aujourd'hui, là. On va planter ça et après on va aller faire les quêtes. Je vais focus les quêtes principales en soi. C'est ça qui va me permettre le plus rapidement d'aller là-bas, là, je pense. Hein. Ok, let's go. Là, on va planter les autres vins. Donc on a dit les graines de soja. Ah, mais pourquoi? Non, 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 pars pas dans ce sens-là. Pars dans ce sens-là, s'il te plaît. Merci. Fais les choses bien, s'il te plaît, à un moment donné. Voilà. Non, 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 non. Oh là là. C'est une plaie, hein. Il est aussi con que moi, celui-là. Ok. Non! J'ai dit non. Là. Hop. Voilà. Là, tu plantes. Un. Ok. Voilà. Allez, mange un bout. Moi j'ai les framboises, généralement c'est 5 pour me remplir. Hop, voilà. Là, du coup, on plante. Tac, tac, tac. Oh bah, vous savez quoi? On va finir nos carottes, les dernières carottes. Parce que les carottes, si le piment rapporte mieux, je vais pas arracher les carottes. Hein. Clairement. Carottes, ce sera fini. Après, les lapins, quoi. Ah, je vais peut-être garder juste ces carottes-là pour que si je croise un lapin, quoi. Vu que ça donne des items. Je vais pas les vendre, ces carottes-là. Ok. Et là, bah vas-y, let's go piment. Évidemment, tu pouvais faire le tour normal. Ok, let's go. Tac. Hop là. J'essaie d'être le plus optique quand j'arrose, mais parfois je vais un peu trop vite. Et ça me fait oublier certains coins, donc faut les refaire, c'est relou. Faut toujours en prendre un maximum. Ça va plus vite. Ah, moi qui voulais faire des thunes, c'est raté. Par contre, c'est dommage que tous les plans se ressemblent. C'est dommage que tous les plans. Ah, bah oui, je voulais mettre du concombre aussi. Bah là, je vais me faire un truc de piment. Voilà. Et je vais mettre du concombre aussi sur une autre parcelle. Ok, je vais avoir faim. Ok, tac, on reprend. 5 framboises. Ok. Ça va, Vaena? Tranquille, la forme? Je pense jamais à récupérer quelqu'un pour quand je ramasse aussi, c'est pareil. Parce que d'une pour monter l'amitié, parce que j'ai pas monté l'amitié en vrai, à part avec Vaiana. Et même avec Maui, j'ai pas monté son amitié.
Et même du coup quand on ramasse on en récupère plus je crois. Enfin parfois les joueurs il peut en avoir plus. Faudrait que je pense à faire ça. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Je suis bête. Ne jouez pas comme moi, les amis. Voilà, ne jouez pas comme moi. Hop, on arrose tout ça. Ok, super, j'en ai oublié deux. Donc là, on a nos piments, etc. Et je pense que je vais faire une parcelle de piments. Donc là, je remets des piments. Et après, on sait une parcelle de trucs. Attendez, il n'y a pas Maui dans le coin. Il est où, Maui? Oh, il est là-bas, laisse tomber. Dingo, t'es à combien, toi? Salut. Merde, il me parle pour une quête, je crois. Plus. Salut mon ami. Voilà. Par contre, je sais plus, il est Ouais. en mode pêche, lui. Comment je fais pour changer ça, d'ailleurs? Ah, je sais pas comment on fait. Il est en mode pêche, il est pas en mode en mode ça. Mais vas-y, c'est pas grave, ça montrera son amitié. Ah, c'est bon, il y a la musique, donc il me suit. Ah, voilà, c'est bon, il prend l'XP. J'aurais dû faire ça avant. Ça c'est trop bien d'avoir les musiques comme ça là. Franchement ce jeu il est incroyable hein. Je suis déçu de moi-même de pas jouer plus souvent à ce jeu. Faut vraiment que je m'accorde du temps pour ce jeu quoi. Mais là avec toutes les nouveautés qui vont arriver, je pense qu'il va falloir que je fasse des choix pour que je l'intègre celui-là. Il va falloir que j'enlève des jeux auxquels je joue actuellement et que je vais plus pouvoir jouer. Parce que là, il y a le Pokémon qui va arriver et je suis un grand fan de Pokémon. Et du coup, niveau Pokémon, je vais clairement être souvent dessus. Et en février, il y a Hogwarts Legacy, donc le jeu basé enfin, dans l'univers d'Harry Potter, qui aussi va me prendre énormément de temps. Donc je pense qu'en fait, mon trio, ça sera ça, quoi. Enfin, mon quadruo, parce que quand je joue avec le Couz, pour ceux qui le savent, je fais des vidéos aussi. Bon, live à la base, mais du coup, j'en tire des vidéos pour Pixelmon. Donc je pense que ça va être ça, en fait. Mon quadruo, ça va être Pixelmon, Hogwarts Legacy, Pokémon et Disney. Je pense que le choix est fait. Voilà. Et le reste, ben, ça attendra. Ah, il y avait Temtem aussi que j'aimais bien, mais. Je manque de temps. Ok. Donc là, c'est bien, je vais avoir mes deux parcelles différentes. On va pouvoir voir c'est quoi qui rapporte le plus. Et qui pousse le plus. Enfin, après, je m'en fous de savoir qui c'est qui pousse le plus vite, honnêtement. Pour les mecs qui jouent 4 heures, 5 heures par jour, je comprends que c'est un ratio qui vous intéresse. Mais moi, en gros, là, je vais les. Juste les. Je vais les. Je pense que même dans cette vidéo, vous les verrez même pas à la vente. Je vous l'annoncerai peut-être dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo, je sais pas. Je sais pas si on le saura, mais moi, en gros, je fais pousser mes. Je récupère mes légumes, je replante, j'arrose et je me casse. Et c'est que le lendemain, quand je rejoue, que je vais récupérer. À la base, c'est ce que je fais. Donc, honnêtement, le ratio de combien ça met pour truc, si je voulais vraiment devenir riche, je focuserais le jeu 12 heures d'affilée à faire planter, 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 et voilà. Mais c'est pas mon cas. Actuellement, j'en joue vraiment quand je peux, et justement pour avancer le let's play. Mais je suis quand même curieux de savoir ce que c'est quoi qui rapporte le plus entre les deux là, en attendant les citrouilles. Parce que je sais que les citrouilles c'est ce qui rapporte le plus. Hop, on va remanger les framboises, tac, 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 et tac, et tac. Ok, nice. On arrose. Ah, oui. Donc en gros, c'est pas une quête précisément qui me fait débloquer là-bas, faut juste que j'ai 15 000 Dreamlight quoi. Donc autant vous dire qu'il faut que j'avance quand même pas mal dans le jeu quoi. Je pense. Vaiana, je crois pas qu'elle est niveau 10. Je sais plus. Ah merde. Prends-en 6, s'il te plaît, merci. Voilà. Il faut bien que je sois dessus en fait. Voilà, 7 là, carrément. Ok. Ah, ça y est, dingo. Niveau 6, ça y est, dingo, ok. Et c'est ça que j'aimerais bien changer, mais je sais plus comment on fait. Ah, je suis pas du. Je suis pas. Si vous venez ici pour trouver de l'aide et savoir comment on fait les choses, c'est pas avec moi, les amis. Je suis désolé. C'est moi qui suis à la recherche. Moi aussi, je regarde des vidéos YouTube pour savoir comment faire ci, ça aussi ou ça. Ok, ça c'est bon. Donc on a tout arrosé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder nos quêtes tout de suite maintenant. Hop, vas-y, enlève-moi ça. Tac. En Dreamlight. Ah bah déjà, on récupère ça. On a 3500. Hop, 3858. Ok. 4500. Oh, 4700. Oh, 5000. Eh, imaginez, on fait 10 000 dans la vie. Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, ça je m'en fous. Là, c'est quête. Ok, quête. Chasser le vent. Ça donne rien. Récompense, y'a rien. Ah, mais ça va faire venir Elsa. Ça c'est quoi? C'est de la Dreamlight ça, non? Attendez. Non, c'est pas de la Dreamlight.
cette expérience. C'est quoi ça, Pierre de Lune? J'ai même pas regardé ça, le festival là. J'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire. Vois les étoiles, Pixar est terminé. Tu as 24 24 heures pour utiliser ton jeton et récupérer ta récompense. Bon, heureusement que je le fais, les amis. Voilà, j'ai récupéré ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pas fait attention en fait. Ouais, c'est un espèce de passe de bas, un passe de. Ok. Il n'y a rien d'autre, hein, on est d'accord? Je peux rien faire. Récupérer. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Début de dans l'inventaire de. Les 20 lycées plus tard favoris. À plus tard dans la vallée. Remplis les missions festives pour obtenir des balles luxo emblématiques et obtenir de nouvelles apparences stylées inspirées des créations Pixar et Animation Studio. Pars à l'aventure sur la voie des étoiles. Mais ce n'est que profiter de cette fête à Dreamlight, remplis les missions festives pour obtenir. Mais ça sert à quoi ça? Je suis en train de passer à côté quelque chose, vous croyez? Ah d'accord, c'est le prix des trucs. Ok. Ah, autant pour moi. Genre là, il m'aurait fallu 20 balles pour avoir ça. 20. Ah, ok. Pouah, je suis trop bête. Non, on s'en fout. Alors, attendez. Si on a quand même des. Là, il y a quête d'histoire. Je pense que c'est ça qu'il faut avancer. Explore la grotte maudite, voilà. Bon, on va faire ça, les amis. Let's go. Regardez. Hop. Je pense que les quêtes d'amitié, c'est pas ce qui est le plus exaltant. Et Elsa, faut que je la fasse venir. En vrai, là, les deux seules quêtes qui m'intéressent, c'est les deux là. Donc, on va focus ça. On va focus ça tout de suite. Hop. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, excusez-moi. Vous voyez pas ce que j'ai fait une connerie, mais moi j'ai fait une connerie. Tac, 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 tac. Il faut aller là. Non. Oui, si, c'est là. Oh, c'est un désastre. Ici, j'ai même pas bossé. Vous voyez, j'avance plus vite dans l'histoire que dans l'occupation de mon monde. Ah non, mais non, attendez, c'est pas où, c'est où ça? Bayou de la confiance. Non, 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 on s'en fout de ça. C'est pas ici. C'est là-bas. Suis-je bête? Où suis-je bête? Là, il y a un rituel qui se prépare. Faut vraiment que je fasse le ménage ici, c'est. Oh, j'ai honte. Vous savez, la plage, c'est le foutoir, hein, parce que du coup, la maison de Vaiana, elle est au milieu. Genre, on peut pas passer, quoi. Voilà, la plage, la truc de Vaiana, elle est comme ça. La pauvre. Elle est là-bas, la grotte, non? Je sais plus où elle est. What is the world? Non, c'était pas là-bas. Ok. Est-ce que je peux tra. Maintenant, je peux pas traverser là, je crois. Je sais plus. Ok, là, il y a un coffre caché, je crois. Elle est où la grotte? Ah, elle va être de l'autre côté là? Je sais plus. Attendez, est-ce qu'on la voit ici? Nope, on la voit pas la grotte. Ah, au nord, c'était pas ici? Ah, je sais plus. Attendez. Je sais plus. Je sais qu'il y a une grotte sur la plage. C'est quoi ça là-bas? Tac. Ok. Non, c'est rien. Ouais, Dingo avec nous, il va nous sauver. S'il se passe une dinguerie. Vaiana, je suis bloqué. Alors, attendez, il a dit au nord de la plage. Attendez, c'est pas, je suis pas fou quand même. C'est quoi les quêtes? Explore la grotte maudite. Merlin et d'autres villageois, l'oubli est en train de se produire à nouveau. Le sort de Dreamlight repose entre tes mains. Ok. De la sorcière des mers, ok? Explore la grotte maudite. Et il avait dit au nord de la plage. Le nord de la plage, c'est là en vrai. Il y a un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est ça. Pour moi, le nord de la plage, c'est ça. On n'est pas allé là-bas, on va aller voir. Ah! C'est quoi ça? What? C'est quoi ça m'emmène à la quête, non? Ah non, je crois que c'est parce que j'ai cliqué sur ça comme un connard si je clique là. Ouais, voilà. Bon, c'est cool en vrai. Ça sert. Allez, montre-moi le chemin.
qu'elle serait là, la grotte. Yeah! C'est bon, ça. Allez, allons découvrir ce qui se passe là-bas. Ah, Dago est venu avec moi. Ok. Il y a un souvenir, là, ça. Ok. Ah, mais il y avait rien écrit. Et Ursula a déménagé à la plage. Merlin est inquiet, mais je crois que c'est bien. Comme le dit le dicton, garde tes amis près de toi et les dangereux associés de la société des mers et dans les grottes proximité où tu peux. Ouais. Garde tes amis près de toi et tes amis encore plus proches, on le sait. On sait, on sait, on sait. Donc Ursula est là. La belle Ursula, incroyable. Y a-t-il rien à ramasser? C'est juste beau gosse, quoi. Y a rien à y faire, quoi. Oh oui. Ah, je suis plein! Je suis plein! Amas! Ça, je peux le jeter, j'en ai gavé. Bah, vas-y, je bouffe la carotte. Et je vais dégager. Mais c'est pas les mêmes, ça? Il a raté blanc et rouge et rose. Ok, oh. Pardon, je croyais que. Et c'était quoi ça du coup? Des fèves de cacao, ok. Bon, vas-y, dégager des fleurs en vrai, c'est bon, il y en a plein. Voilà, je lui donne comme ça. Elle va être contente sur ce. Hop, du coup c'est quoi ça? Robe à manches longues noires. Ah elle est belle la robe. Dommage que... Ben, voilà. Attendez mais c'est quoi ça? Des graines de tomates? Plante cette graine pour faire pousser des tomates. Ok lourd. Ben, du coup je peux récupérer ma plante. Vous savez quoi? On va accueillir Ursula. On va mettre la tenue qu'on a achetée. Attends. C'est où? C'était pas là dedans. C'est dans les tenues je pense. Si je fais ça, normalement je devrais la trouver. Vite, 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 elle est là, voilà. Avec la casquette, ça flambe en plus, voilà, nickel. Casquette, basket, ça tue. Et avec le sac à dos, oh, ça tue. Voilà. Allez, Ursula, raconte-nous ton histoire. Enfin, moi qui croyais connaître tout le monde dans le village, qui es-tu, mon ange des mers? C'est toi qui m'as piégé ici, en me laissant dépérir misérable et seul? Je suis le héros de la vallée. Un héros, dis-tu. C'est justement ce qu'il me faut, tu vois, je suis coincé dans cette grotte moisie. Aiderais-tu une pauvre fille à sortir? Tu dois posséder une magie immense pour franchir l'entrée de la grotte. Et si tu peux entrer, ça veut dire que tu peux aussi sortir. Qu'en dis-tu, mon chou? Veux-tu aider ta nouvelle amie Ursula à sortir de cette grotte? Comment je puis-je faire sortir? En rompant le sort de la grotte, espèce d'imbécile. Je veux dire, ange des mers. Vois-tu, avant que l'oubli survienne, le pilier du pouvoir protéger la plage enchantée des malédictions et de la magie maléfique. Mais peu après le début de l'oubli, une petite étoile de mer m'a dit que quelqu'un avait volé l'orbre du pilier et l'avait caché dans une grotte sur la plage. Bien sûr, je mourrais d'envie d'aider le village, alors j'ai commencé à fouiller cette grotte dans l'espoir de la trouver. Quelle a été la récompense pour mon dévouement? L'emprisonnement dans cette horrible grotte. Tu veux dire que tu t'es fait piéger dans cette grotte en tentant d'aider le village? Oh non, ma pauvre! Enfin quelqu'un qui se soucie de moi! Merci, ange des mers. Tu es un amour maintenant? Où en étions-nous? Oh, l'orbre n'est pas ici, il doit être caché dans une autre grotte de la plage. Si tu me fais sortir, je te dirai tout ce que tu dois savoir sur l'oubli. Avons-nous un accord, mon chou? Marché conclu. J'avais besoin d'une chose appelée clé de cristal pour entrer dans la grotte qui recèle l'orbe. Je l'ai ici, je vais même m'en séparer gratuitement tant que tu promets de ne pas m'oublier, tant que dis que tu es en train de courir partout. Ok. Ok, faut que jette un truc. Ok, bah tiens, je te jette ça. En l'utilisant correctement, tu enflammeras l'ancienne magie cachée dans Dreamlight Valley. Non pas qu'être cloîtré avec toi serait si terrible, qu'en dis-tu mon cœur? Tu es rapidement en train de devenir mon humain chouchou. À présent, apporte-moi juste l'orbe et tu auras ta place dans mon cœur. Tu peux m'enseigner la magie? Voilà. Alors, affaire conclue. Ok. Donc là, Ursula. Tu es là. Il était temps. Place la clé cristal dans un appareil près de l'entrée. Verrouillé d'une grotte sur la plage enchantée. Ok. Donc bah c'est ça, non? Ah ça m'a fait rentrer. C'est peut-être pas ici. Je crois que j'ai quelque chose d'autre sur ça. Parce que sinon il y a ça ici là, mais ça c'est la maison de Vaiana. Et là c'est le bateau et ça c'est la maison de Maui. Ok. Ça c'est un marchand. Oh j'avais pas regardé ce marchand. J'avais même pas pensé à regarder ce marchand, s'il faut il y a des trucs intéressants. Ça là-bas non? Place la clé de cristal dans un appareil près de l'entrée, verrouillé d'une grotte sur la plage enchantée.
Non, c'est pas ça. Mais oui, là, c'est l'orbe. Mais non, mais là, je fais de la merde. C'est pas ici. Je suis teubé. Est-ce que c'est pas ça là-bas, là? Regardez. Yeah! C'est ça. Ok. Ok, let's go. Oh, beau gosse. Le jeu, il est beau, hein. Explore la grotte mystique. Apporte la pierre précieuse dont la forme tombe à pic pour pouvoir continuer ta quête héroïque. Attends, apporte la pierre précieuse dont la forme tombe à pic pour pouvoir continuer ta quête héroïque dont la forme tombe à pic. Trouve une façon de faire disparaître la première porte magique dans la grotte mystique. Il faut que je trouve une pierre précieuse. Mais je trouve ça où? Ok, bah let's go. Oh, je trouve ça où moi? Je pense pas qu'on trouvera ça dans cette vidéo, je vous le cache pas. Comment ça se déroule là? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas. Peut-être qu'il faut ça justement, un truc comme ça là? Je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte. Attendez. Ça a poussé déjà, non? Ou alors ça a besoin d'eau? Ouais, ça a besoin d'eau, je crois. Attends, il y a des trucs qu'il faut que j'arrose deux fois, non? Ah, s'il faut que je les arrose deux fois, c'est mort. Je les fais pas pousser, moi. Non, c'est bon, ça a pas poussé. C'est juste mes carottes qui ont poussé. Ah, si, là-bas, attends. C'était quoi que j'avais mis là? C'était le coton, je crois. Le coton a besoin d'être trempé deux fois? Pour pousser? Ah, ça, c'est triste, ça. On va se vider. Et je vais reprendre les gemmes. Peut-être je vais essayer ça, hein, mais je sais pas en fait. Hein. J'ai zéro info là, genre. Genre là, j'ai zéro info. Bah ça, on va le transférer, c'est nouveau. Faudrait pouvoir agrandir les coches, je sais même pas comment on fait. Si vous avez des tips, donnez-les moi. Voilà. Faut vraiment me les donner. Donc là, c'est la bouffe. Donc, bah, en soi, j'ai pas de bouffe. Là, c'est juste ça. Ah, il aurait fallu mettre ça. Bah vous, mais de toute façon, je prends ça, j'ai dit. Je vais prendre tout ça. Je vais prendre ça. Je vais déposer, du coup, le bois, là. Je pense pas que ce soit ça. Je pense peut-être ça. Là, c'est les fleurs. On transfère... Ah, mais les... Merde, non. Ah, mais les sphères, j'ai plus avoir de place non plus. Il va falloir un autre coffre à fleurs. Vous imaginez? Regardez, j'ai plus de place pour les fleurs. Oh, c'est pas de la bouffe ça, par là? Un type d'ail que l'on trouve. Ouais, voilà. Ça se bouffe. Faut que je le mette dans un truc de bouffe. Mais j'ai plus de place. Rendez-vous compte. Oh, j'ai plus. Il me faut un autre coffre à fleurs. Quelle tristesse. Ça, c'est du coton. Mais du coup, c'est pareil. Je peux pas le mettre là. Ça, oui, ok. Ça, ok. Et j'ai pas de place pour la fée. Oh, bah vas-y, hein, let's go. Bah. Là, ça va être le. Ah, bah voilà, ok. Bah, ça va être le foutoir ici. Merde, ça, j'ai encore de la place, je pense. Voilà, ici, ça va être le truc à foutoir. Ça, on va le laisser là. Ça, je vais le transférer. Ça, les graines, vous me cassez les couilles, les graines, une petite dame. Voilà, ça, c'est ce que je vais tester. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. Ok. Non, ça. Ok. Et on va mettre la dernière fleur. Hop. Voilà. Écoutez, on va tester les pierres. Mais je sais vraiment pas ce que ça va donner. Hein. Je sais même pas si c'est ça. Je n'ai aucune foutue idée. Je n'ai aucune foutue idée. Voilà. C'est bon pour vous?
Ah. Ah! Ouais, mais je les aurai pas toutes. Allez, va me manquer la bleue. Okay. Et la rouge. Non, la rouge, je l'ai. Ok, j'ai bien fait de pas les vendre. Bon, on en a trouvé deux sur... Ok, c'était sympa, ouais, ça. C'était simple. Ok. Tombe à pic, c'était référence à la pioche. Ah, je peux pas sortir de la grotte avec le TP, ok. J'ai envie de sortir de cette manière. Mais du coup, il va y avoir une autre énigme après à faire. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une autre porte après, là. Non? Il y avait un autre truc. Elle va pas être contente sur celui-là parce que je suis pas en train de me bouger le cul, clairement. J'ai un milliard de trucs à faire, c'est abusé. C'est ça qui est trop bien dans le jeu. En fait, je pense que si j'avais fait étape par étape aussi, si j'avais été moins con. Parce que le truc, c'est vraiment j'ai focus les persos, etc. Allez, j'ai Ratatouille, Vaiana, j'ai Maui, j'ai Elsa, elle est à deux doigts de venir. Là, il y a Ursula qui est là. Alors que j'ai... Même ça, c'est pas tout à fait rangé, j'ai mal rangé. J'ai juste fait le coin de Ratatouille et les maisons de Paris, enfin qui ressemblent un peu à Paris. Genre le truc du Picsou, etc. Et mon petit coin à moi. Mais genre, ça... J'ai rien fait ici. Enfin, si, là, il y a le truc d'un agro. Mais genre, ici, là, c'est le bordel. Il y a là la plage, j'ai rien fait. Et ici, c'est le... c'est un truc de fou, quoi. Donc, du coup, ouais, y a... là, faut que. Faut que. Ok, on récupère ça déjà, c'est bien. Est-ce qu'on irait pas chercher. Il y a forcément un truc où il va y avoir. C'était quoi la bleue, hein? La bleue, ouais. C'est une pierre bleue. Une gemme bleue. On va trouver ça. Vous savez quoi? On va piocher. Je sais même pas si j'ai déjà pioché dans le... Oh bébé, oh, ça c'est bon ça. Et j'ai eu, c'est quoi ça? Comme ça, ok. On va récupérer son passage, comme ça c'est fait. Hop, hop, hop. Ça c'est toujours important à prendre. C'est vrai que je suis rarement aussi longtemps sur le jeu au final. Et du coup, j'ai pas le temps de voir ça pousser plusieurs fois. J'ai cru qu'il y avait de la brume derrière. Hop. Et là, on va faire ça et on va espérer d'avoir un bleu. Un peu jaune. Allez, on se casse. Je sais même plus où ils sont tous les points de ça. Je sais que j'en ai deux verts chez moi là-bas. Il doit en avoir un là. Ouais, rouge, ok. Bah, ça me remboursera celui que j'ai utilisé. Voilà. Tac, 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 tac. Et normalement, il y en a deux derrière ma maison. Il y en a un là-bas. Ok, let's go. Un autre rouge. Je vais pas galérer à trouver un bleu quand même, si. Je peux passer par là, ok. Là. Il y a rien. Ah si, ça m'a donné une rouge. Ok, let's go, on prend. Là. Ok. Et à un moment donné, vous allez me donner une bleue ou pas? J'ai pas vu. Non, il n'y en a pas qui est tombé. Hein. Ok, rouge et... Ouais, trois petites gemmes rouges, ok. C'est pas du tout ce que je veux. Là, il y en a une. Je crois qu'il y en a une au fond. Je crois que je l'ai vu. Non. Ok, rien du tout. Ça c'est fait. J'en ai vu une là, non? Oh, il y a une gemme là. Ah bah j'ai dû l'oublier de la prendre, non? Je sais pas. Ok. Que dalle. Je suis triste là. Le jeu veut me rendre triste. On n'a pas de chance, je crois. Hein. Ok, il faut bouffer. On va bouffer, bouffe. Voilà, ça suffira, je pense. Ok, rien non plus. Il pousse au dingo, hop. Là. Allez, une petite bleue. Ok, une verte. J'ai vraiment pas de chance. Je vous le dis, j'ai pas de chance. Là, c'est rouge. Bah alors, doudou. Je sais pas, je m'inquiète. Je m'inquiète. Allez, vas-y. Une bleue, une bleue, une bleue. Chut.
Putain, mais c'est un truc de fou, non? Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Il n'y en a plus ici, on est d'accord. Hein. Il y en aurait-il en bas? Non, je crois qu'il n'y en a pas ici, hein. J'en ai pas vu. Là, si, il y en a, ok. Avec de la chance, allez, 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 allez. Non, vas-y. Je pense pas qu'il y en ait là. Ok. Ça, je sais plus. Ouais, si ça, ça donne des trucs, ça. Ouais, ça donne du sable, ok. Là-bas, on peut pas y aller. Bizarre, ça, d'ailleurs, qu'on peut pas y aller, là. Ça doit être une référence à quelque chose. Là-bas, il y en a un. Là, il y en a un. Caché. Ah, il y a un coffre, là. Ah, bah oui, on va souvent pouvoir les enlever, ces trucs. Sûrement avec la pelle, je pense. Mais genre, la pelle améliorée, ou... encore manger. Désolé si vous entendez chien en arrière, j'entends un chien aboyer. Ce n'est pas le mien, c'est sûrement un chien errant qui est venu là pour me voler mon jeu. Oh ah, putain, oh, j'ai cru que je sais pas pourquoi il y avait un truc genre. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Pourquoi suis-je bête? Là, je peux pas y aller. Là-bas, c'est du bleu. C'est du bleu. Oh, dis-moi, c'est du bon bleu. Dis-moi, c'est le bon bleu. Dis-moi, c'est le bon bleu. Je peux me TP normalement. Vite, 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 vite. Dis-moi c'est le bon bleu, dis-moi c'est le bon bleu. Let's go! Ah si on peut, on peut terminer notre aventure sur ça et découvrir ce qu'il y a là-bas. Ce serait énorme. Vraiment, ça serait top du top. Non, c'était là. Et imagine, je peux pas y aller. Si c'est bon. En plus j'en ai un petit coffre avec. Qui fait plaisir. Ok, allez, casse-toi. Ok, je crois que j'en ai jamais eu, ouais, j'en ai jamais eu, il me semble. Oh, c'est une grosse bleue, hein. Imagine, c'est pas la bonne. Oh, j'aurais trop le seum. Ok, on se TP là-bas. Et viens avec moi, Dago, là. J'allais dire que c'est mon grand protecteur, mais pas du tout. J'aimerais bien qu'il y ait Max dedans. Voilà, je sais, je change complètement de sujet, mais ouais, je kifferais avoir Max, le fils de Dingo. Je kiffais les musiques qui chantaient dans le film. Enfin, dans les films, du coup. Ah bah, du coup, on peut récupérer ça. Parce que c'était... c'est pas cool d'avoir laissé ça. Ah non, mais pourquoi je suis là? Mais vous pouvez pas me le dire, aussi? Mais Rémi, tu te trompes. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Voilà, si vous êtes resté... ça montrera que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous êtes les boss. Ah, Rémi, tu te trompes. T'es vraiment bête. C'était là-bas. C'était là-bas, Doudou, c'était là-bas. Ok. Let's go. Donc là. Ah, ça va pas être la bonne, regarde. Si, non, si, c'est la bonne. Oh, c'est pas la bonne. Je vais me suicider. Non, non, je dis ça pour... c'est de l'ironie, c'est une blague. Ne prenez pas argent comptant de ce que je dis. Je dis souvent des conneries, pardonnez-moi. Mais vraiment, je vais serrer, du coup. J'aurais tellement aimé. Parce que là, je pense qu'il y en a plus. Je pense que j'ai tout fait. Ah, après, il y a là, hein, il y a le plateau au pire. Il y a le plateau. Allons, plateau. Sait-on jamais. Peut-être que j'aurais pas débloqué ça pour rien. Franchement, c'est le comble. Si je trouve ce qui, le truc que je cherche. Oh, il faut que je les arrose deux fois les concombres aussi là. Mais what? Faut que je les arrose combien de fois les cotons là? Attendez, je comprends pas là. Ah, c'est bien le coton qui était là. Mais pourquoi le concombre là-bas, il veut que je l'arrose et là-bas non? J'avais mis du concombre là-bas non? Je m'en rappelle plus. Oh bah si le concombre il faut le raser deux fois, c'est mort. Si le piment c'est qu'une fois. Le choix va être vite fait. Moi c'est un truc que j'arrose une fois. Et je me casse quoi. Ah, c'est revenu les pierres? Sérieux non, ça peut pas revenir aussi vite. C'est peut-être une dinguerie du coup la forme. Rouge, ok, super. Mais non, c'est vraiment revenu, non. Ça revient tous les combien de temps? Ça fait quoi, 5 minutes? Bon, ça part ramasser, c'est pas grave, on va ramasser ça sur le retour.
Là-bas, y en a. Allez, c'est le monde de Scar. Je sens la force. Scar, tu es avec moi. Tu arrives bientôt en plus dans une mise à jour. Ok, c'est orange. Ah, j'ai eu des lingots de fer? Non, j'ai eu ça? Ah, j'ai eu un minerai de fer, ok! C'est pas ça qu'il faut? Un morceau de fer brut destiné à être transformé en lingot. Comment on fait? Faut les faire chauffer? Attendez, je jette ça, moi. Et je récupère l'autre truc, du coup. Voilà, j'ai une autre gemme, comme ça. Ok, let's go. Donc le fer, ça se trouverait ici? Je sais qu'il m'en fallait pour la reine des neiges. Oh, si on fait une pierre 14 coups, c'est trop bien. Ouais, il y en a encore, là. Oh, lourd! Je sais pas ce que je vais faire, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire de tout, cette oseille? Je sais pas. Oh, t'as encore faim. Mais je me rendais compte que je trouve pas la gemme bleue. C'est un truc de... C'est pitoyable. Là, je suis obligé de faire le tour. C'est quoi ça? Ah, c'est une algue, non? Que j'avais dû jeter. Peut-être, je sais plus. Je me rappelle plus. Et là, je peux pas traverser? Ah, si. Ah, mais je peux pas avancer. Ah, attendez, les amis, ça veut dire que, en gros, pour aller sur les terres désolées, choper les citrouilles, faut que je dégage. Faut que je trouve un truc qui dégage ça? Mais c'est clairement des quêtes. Ah, bah, je vous le dis, hein, la citrouille. Ce n'est pas pour aujourd'hui, les citrouilles, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Quelle musique incroyable. Des graines de soja. Ok, super. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir l'aménagement de tout ça. Mais je pense que là, je vais me prendre une après-midi ou quoi. Je vais la filmer. L'après-midi, je vais faire l'aménagement et si ça vous intéresse, je vous la publierai du coup. Je vous la filerai. Ça vous fera un contenu supplémentaire. Mais ce sera pas forcément un truc où je parlerai beaucoup. Mais je me filmerai quand même. Et comme ça, si vous êtes intéressé à ce moment-là, je vous passerai. Mais je pense que je vais faire la. Je vais filmer toutes mes phases d'aménagement. Mais les fans. Genre les phases d'aménagement définitif. Genre ça, je le prends pas comme définitif. Ça va changer. Parce que là, je vais dégager les maisons. Je vais vraiment faire un champ. Et peut-être. Ou alors, je vais laisser les maisons ici. Le champ, je vais le faire ailleurs. Mais. Il va avoir un gros bail. On n'a pas trop de gemme bleue. On a pas trop de gemme bleue. On a pas trop de gemme bleue. C'est trop triste. C'est trop triste, les amis. Je sais pas quoi faire. On va casser cela et ce sera tant pis. Pas de gemme bleue. Plus de gemme bleue. Peut-être c'est même pas ici que ça chope. Parce qu'en fait, s'il faut, je suis en train de les farm, mais s'il faut, ça se chope pas comme ça. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Bon, voilà. Mais écoutez, les amis, on va se quitter sur ce coffre. Voilà, j'ai décidé. On va se quitter sur ce coffre. Qui me donne. Ok, super. Non, on va pas se quitter sur ce coffre. Si, on va balayer. Mais... Ah là 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 là, j'ai plein de questions à vous poser. À la limite, si vous pouvez répondre à ces questions, ça montrera bah, déjà que vous m'apportez beaucoup de force parce que vous êtes resté tout simplement jusqu'au bout. En vrai, je sais pas si je me rappellerai de toutes les questions que je veux poser, mais qu'il faudrait que je trouve. C'est comment faire des lingots de fer? À mon avis, c'est sûrement un truc que je dois faire chauffer, genre peut-être dans un four. Non, là, je pense 3000 crafts, mais il doit avoir un délire pour faire des lingots. Peut-être les tailler. Non, je sais pas. En vrai, j'ai pas la réponse à ça. Mais faire des lingots de fer, ou alors peut-être dans l'établi, faut que je les voie. Faire des lingots, ou trouver une gemme bleue. S'il faut, je cherchais, mais pas au bon endroit. Ou alors, bah, c'est juste que j'ai pas eu de chance. Je sais pas. Et par rapport à tout ce que j'ai débloqué en termes de graines, qu'est-ce qui pourrait vraiment être. Ce qui pourrait me rapporter le plus, tout simplement. On va regarder juste pour les lingots de fer, peut-être ça vous fera une réponse en moins à me donner. Ok, c'est ici. Il me faut 5 minerais de fer et du charbon pour faire un lingot. Oh là là. Et moi, il me faut 3 lingots pour Elsa. Ça veut dire qu'il me faut 15 minerais de fer. Ok. Et le tissu, bah c'est que du coton. Donc ok. Donc le coton sert à faire des tissus, mais je me demande si ça se vend pas. Est-ce que c'est pas un truc qui peut se vendre super cher? Je sais pas. Je pense que là, il va falloir que je focus ça. Hein. Il va falloir que je focus les trucs pour faire des crafts, hein, parce que j'ai rien. Hein. Ouais, je peux faire un jardin zen, j'ai eu ça où, moi? Un tas de bois à brûler. Ah, c'est juste genre pour faire beau gosse? Oh! Par contre, ça, c'est bien!
Comment j'ai fait pour débloquer ça? Ah, mais c'est des recettes. Quand j'ai chopé le truc, ça m'a débloqué des recettes. C'est ça qu'on voit à droite, je crois. Une voie de gravier, ça a l'air moche. Ou alors pour faire des chemins près des. Ah, mais pour faire des chemins près des. À la limite, près des plantations. Ça peut être sympa. Par contre, voie en pierre naturelle, ça a l'air beau gosse. Et de l'asphalte. Ça a l'air ouf. Ouais, bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Peut-être que je vous ai renseigné des trucs, mais je ne pense pas, honnêtement, on va pas se cacher, je suis vraiment un noob sur le jeu. Mais je kiffe tellement, faut juste que je me trouve plus de temps pour jouer à ce jeu. Donc voilà, bref, donnez-moi de la force, donnez-moi envie de jouer encore plus souvent. Enfin non, vous n'avez pas besoin de me donner envie de jouer plus souvent, parce qu'il faut que je joue plus souvent. J'ai trop envie de jouer plus souvent. Malheureusement, c'est juste par manque de temps, etc. Mais je veux trop avancer dans l'aventure, j'ai trop envie d'avancer, surtout qu'il y a une mise à jour qui arrive le 19 là. J'ai trop envie en fait. J'ai trop 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 trop. Bref, t'as compris, j'ai trop envie d'avancer dans le jeu. Le jeu, je sais pas, il m'inspire le jeu, il me donne trop envie d'y jouer. Let's go, on va le mettre sur les chaînes Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre la description, le Discord déjà pour communiquer avec moi, peut-être me donner des infos, etc. Et la chaîne Twitch, si vous voulez nous voir en live sur n'importe quel jeu, de toute façon c'est très chill, c'est comme cette vidéo à chaque fois. On s'amuse, on s'éclate. Merci à tous pour mettre les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir quand j'en vois. Et merci à vous de m'apporter beaucoup de force. Si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Et voilà, au plaisir, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et c'est que du love. Ciao, ciao.